Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain, pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fière de soutenir les baladeurs pour cette 5e saison. Les baladeurs. Récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du Média Les Others. Ses grandes ailes blanches, toutes déployées, permettent à l'albatros de fendre les airs et survoler les mers sur des milliers de kilomètres. Roi de l'azur martyrisé dans les vers de Baudelaire, l'oiseau majestueux s'épanouit dans les taffes, les terres australes et antarctiques françaises, à Kerguelen, à Crozet, ou encore sur l'île d'Amsterdam, un sanctuaire de biodiversité au centre de l'océan Indien. Il n'existe pas, sur cette terre, d'endroit plus isolé. Situé à plus de 3000 km de tout continent, à mi-chemin entre l'Afrique du Sud et l'Australie, ce caillou volcanique et verdoyant n'héberge qu'une vingtaine d'habitants. Sur ces falaises abruptes, en revanche, des immenses colonies d'albatros hurleurs et d'albatros à bec jaune nichent pour donner vie à leur progéniture. Aujourd'hui, l'oiseau doit faire face à une nouvelle menace, celle d'un virus ravageur qui pourrait mettre en péril la survie de son espèce. Depuis des années, des chercheurs se mobilisent pour tenter de trouver un remède, en se rendant à tour de rôle sur place pendant des périodes de 14 mois. En 2021, Corissant Dabivin a fait partie de cette poignée de scientifiques privilégiés à avoir pu côtoyer le voyageur ailé. Dans une petite cabane au pied des falaises, elle a multiplié les études et les relevés de terrain pour tenter de sauver l'albatros et percer son secret. Les albatros, ça sent super bon. C'est incroyable parce que c'est des oiseaux qui mangent du poisson. Alors, on pourrait se dire que ça sent, je sais pas, le poisson. Mais en tout cas, ils sentent un peu sucré. Alors, il y a des gens qui disent que l'albatros hurleur, moi, je ne l'ai pas eu en main, il sent un peu le miel. L'albatros à bec jaune, il sent le cosy, il sent un tout petit peu sucré. Tu mets ton nez dans son cou, tu as envie d'habiter là, quoi. C'est assez extraordinaire. Tous les ans, l'équipe pour laquelle je suis partie envoie quelqu'un pendant 14 mois sur l'île d'Amsterdam pour passer plus de 50% du temps dans la colonie d'albatros à bec jaune, dans les falaises d'Entrecasteaux, qui est, je pense, en toute objectivité, le plus bel endroit du monde. En tout cas, le plus bel endroit où j'ai eu l'occasion d'aller de toute ma vie. Ouais. C'est vraiment le graal d'aller travailler dans les terres australes quand on fait mon travail, donc quand on est écologue de terrain. Et il se trouve qu'il faut avoir une sacrée expérience pour pouvoir partir là-bas. Quasiment tout ce qu'on fait, on l'apprend au fur et à mesure. Hein. C'est un peu rare d'avoir quelqu'un qui est déjà spécialisé en bagage d'albatros ou en études d'otarisme antarctique, c'est un petit peu rare. Mais il faut vraiment avoir les capacités d'être tout seul, représentant de ton travail sur une île pendant 14 mois sans chef, en présentiel en tout cas, sachant qu'il y a des périodes de terrain qui sont assez longues, donc jusqu'à quasiment un mois où on n'a pas accès aux emails, etc. On a juste accès à une VHF pour se dire à la base, à la vague du soir, ça s'appelle la vague, coucou, c'est entre Entrecasteaux, tout va bien, est-ce qu'on peut avoir la météo? C'est la seule communication avec le monde extérieur qu'on a pendant qu'on est en cabane. Et donc, j'ai postulé à une offre que j'ai vue sur internet pour partir avec le programme Ecopat, donc qui est soutenu par l'Institut Polaire Français, et puis j'ai rencontré l'équipe et donc le profil a collé et en plus on s'est bien entendu tout de suite, et ça c'est hyper important parce qu'il faut qu'il y ait un certain lien de confiance entre nous, puisque même s'ils savent que je peux faire le travail, il faut qu'ils soient à l'aise en se disant on n'a pas de nouvelles pendant un mois, oh là là, normalement ça devrait aller, ça veut dire que elle est en cabane, elle sait à peu près ce qu'elle a à faire, donc c'est plutôt rassurant.
Ma mission, c'était de partir 14 mois sur l'île d'Amsterdam pour étudier la circulation d'agents infectieux entre les différentes populations d'oiseaux, notamment. Je suis partie une semaine avant les autres VSC, donc les autres volontaires services civiques comme moi qui sont partis. Des gens entre 25 et 35 ans qui vont faire de la science sur tous les districts. Avec tous les autres ornithos, on est parti une semaine en avance à La Réunion pour faire une formation en escalade avec une équipe spécialisée, dans une équipe de cordistes qui s'appelle Antichute, pour nous familiariser avec tout le matériel qu'on allait avoir potentiellement à utiliser sur l'île pour avoir accès à nos sites d'études. Et après, à l'issue de ces deux semaines, on est parti sur le Marion Dufresne et là, on embarque pour trois semaines. Donc, il faut compter à peu près 5 jours de navigation pour atteindre Crozet. Avec le programme, j'ai la chance d'être descendue sur tous les districts pour travailler. Donc on a pu descendre travailler sur Crozet. Ensuite, il faut compter encore 3-4 jours et on arrive à Kerguelen. Donc pareil, tout le monde descend. Dans la mesure du possible, on descend tous pour visiter à peu près tous les districts. Et à partir de là, il reste que les gens d'Amsterdam parce que nous, on est le dernier district à être desservi. Donc on a vécu depuis déjà quasiment un mois, si on prend en compte le confinement, etc., avec des gens qu'on n'avait jamais rencontrés, mais auxquels on s'est super attachés, qu'on a laissés sur leur district respectif. Et finalement, on se retrouve à être 10 VSC. Il reste que nous, quoi. On a fait un arrêt par Saint-Paul le matin. Et ensuite, on a viré directement au nord. Et déjà, au loin, on voyait l'île d'Amsterdam. Et on est passé par les falaises d'Entrecasteaux. Donc, on avait tous nos jumelles. On était à l'avant du bateau, tous les 10. Et on disait, oh là là, regarde, c'est sûr, c'est la cabane. On voyait rien, on était beaucoup trop loin. C'est sûr, regarde, je vois Delcano, je vois Entrecasteaux. J'ai l'impression que c'est là. Non, je vois pas bien, hein, c'est où? Et il y avait des centaines de milliers d'albatros qui étaient là, des albatros à bec jaune, qui étaient en radeau sur la mer ou qui étaient en train de voler dans le ciel. C'est extraordinaire. Et quand on est arrivé sur l'île, on se met en face de l'île et donc ils envoient donc le courrier en premier et ensuite ils nous disent c'est à vous, donc vous attendez sur la DZ, dans la drop zone, c'est là où l'hélicoptère décolle et atterrit. Et on rentre dans l'hélicoptère et en deux secondes, ça y est, quoi, on est déposé et puis il y a les anciens nous du coup qui nous accueillent et puis c'est parti, quoi. Ils sont tous sourires et ils ont une banderole et il y a de la musique et là c'est là tu vois pas le temps passer, quoi. Enfin, quand tu réalises, t'es dans l'hélicoptère dans l'autre sens. L'île d'Amsterdam, c'est une île volcanique, donc ça veut dire que c'est quasiment comme un gruyère à l'intérieur, ce qui explique notamment pourquoi est-ce qu'on n'a pas, d'eau qui reste sur l'île, parce que tout s'évacue par les milliards de trous qui sont dans cette île. Elle est plutôt humide, notamment sur le dessus, puisqu'il y a un endroit qui s'appelle le plateau des tourbières, qui est une zone également exclusivement réservée à la recherche, et on y accède obligatoirement équipé de raquettes. Alors pour moi, les raquettes, avant, c'était plutôt pour marcher dans la neige. Et bien, en fait, non, c'est aussi pour ne pas abîmer la mousse. Et donc, sur ce plateau des tourbières, il y a des mousses absolument extraordinaires qu'on appelle les sphaignes. C'est des mousses qui changent de couleur selon leur concentration en eau. Donc, si elles sont gorgées d'eau, elles vont être vert pétard. Et moins elles ont d'eau, elles vont passer par des stades de orange, de rose. Et puis, alors, quand elles n'ont plus rien, elles sont blanches. Et donc, ça, c'est vraiment pour le dessus de l'île qui est à peu près en pente douce. Les falaises d'Entrecasteaux, c'est pas loin de 700 mètres de haut. Donc pour y accéder, il faut traverser toute l'île. La base scientifique donc, est comme un petit village, un vrai petit village, qui s'appelle Martin de Viviès. Elle est située tout au nord de l'île. Et les falaises d'Entrecasteaux, c'est tout au sud de l'île. Et sur l'île, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, il y a quelques tracteurs. Et donc on part avec un sac à dos et on traverse toute l'île. Donc il faut d'abord monter, puisque c'est un volcan. Donc il faut d'abord monter tout en haut. Et redescendre tout en bas. Et le seul moyen d'accéder aux falaises d'Entrecasteaux, c'est de terminer par une via ferrata. C'est assez épique, et donc on arrive là au pied de cette via ferrata. Il y a encore une zone très humide à traverser, avec ce qu'on appelle des souilles, donc des grandes mares de boue. Donc qu'on traverse épuisé après 8 heures de marche avec un sac à dos entre 12 et 20 kilos. Alors là, c'est vraiment là, il reste qu'une heure. Donc dans l'étaffe, on apprend qu'en fait, une heure de marche, c'est rien. Donc quand on a fini. On a fini la via ferrata, on est quasiment arrivé, mais la première fois, c'est assez du costaud. Donc, t'arrives, t'es fatigué, puis tu tombes dans la boue, c'est insupportable, et tu n'arrives pas à te relever. Ton sac, il est trop lourd, et tu glisses, etc. Et ensuite, t'arrives à la plage. Donc là, c'est peuplé d'otaries qui font des bruits assez exceptionnels, et qui sont énormes et qui font très, très peur. Et passé la plage, il y a une petite butte, et là, juste derrière, il y a la cabane qui s'appelle le refuge des becs jaunes. Il y a une cabane refuge où on habite, une cabane labo, juste à côté. Et en face, donc ça fait une toute petite baie. Il y a la cathédrale, donc il y a un rocher un peu emblématique, qui est plutôt un amas de,
un amas de sable où il vaut mieux pas essayer de grimper parce que ça s'effrite. Et puis à droite, si on lève la tête, il y a toute la falaise d'Entrecasteaux qui est peuplée d'albatros à bec jaune et de gorfous sauteurs. Et la colonie dans laquelle nous on travaille, elle est située à peu près à 200 mètres de haut dans cette falaise. Donc tous les jours, on monte à peu près 200 mètres parmi les poas avec l'aide de quelques mains courantes quand même. Donc des cordages qui sont installés pour nous aider à monter les parties un petit peu difficiles et aussi pour un niveau de sécurité, quoi, ou pour se rassurer, puisque tout le monde n'est pas forcément très à l'aise d'être sur un point quasi vertical. Et de là, on a une super vue assis parmi les oiseaux. C'est vraiment super. C'est vraiment le plus bel endroit du monde. Quand on est dans les terres australes, c'est complètement un écosystème supposé fermé parce qu'il y a quand même des individus qui voyagent très 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 loin. Par exemple, il y a beaucoup d'individus d'éléphants de mer qui viennent muer sur l'île d'Amsterdam alors qu'ils se reproduisent sur Kerguelen. Mais ils pourraient très bien transporter entre eux des maladies ou des petits parasites, des tiques par exemple, pourquoi pas. Les terres australes, elles sont très 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 éloignées de toutes les terres habitées au monde. L'île d'Amsterdam, c'est l'île la plus éloignée de toutes les terres habitées au monde entier. Donc c'est une réserve naturelle également. Le but d'avoir créé ça, c'est de se dire y a un écosystème unique avec des oiseaux et des animaux, des mammifères uniques qui se reproduisent. Les albatros à bec jaune, c'est des grands voyageurs. Même quand ils sont en reproduction, ils parcourent plusieurs centaines de kilomètres pour aller chercher leur nourriture. Ils peuvent se retrouver facilement à suivre des bateaux de pêche aussi, parce que c'est des individus qui apprennent. Donc, ils ont capté assez vite que s'ils suivent les bateaux de pêche, il y a du poisson facile. Et ils pêchent également à proximité, puisque dans les régurgitaires, on trouve pas mal de langoustes. Et Amsterdam, c'est réputé pour avoir une grosse population de langoustes. Donc, c'est des pêcheurs assez large et ils vont assez loin, ouais. Ils habitent dans les falaises parce que pour décoller, en fait, ils sautent. Contrairement, par exemple, à l'albatros d'Amsterdam qu'il y a donc sur Amsterdam ou l'albatros sur l'Eure qui, eux, nichent sur les tourbières. Donc, ils font pas du tout de colonies. Les nids, ils sont très, très, très espacés les uns des autres. Les poussins se rencontrent jamais alors que dans les colonies d'albatros à bec jaune, les poussins, les nids sont à moins d'un mètre d'écart. Et c'est là, on parle, ouais, de plus de 300 nids juste dans la colonie que nous, on suit. Donc, c'est vraiment une énorme densité d'oiseaux. Et donc, ils n'ont pas du tout la place de courir. Donc, ils sont dans des falaises assez abruptes et ils sautent. Et c'est assez drôle parce que quand il faut les attraper, alors s'ils sont sur nid, c'est assez facile, entre guillemets, parce qu'ils ont ce qu'on appelle trop investi pour risquer de perdre leur progéniture, que ce soit œuf ou poussin. Donc, ils ne bougeront pas. Au pire, ils vont essayer de donner des coups de bec, mais là, il faut juste être un peu vif et réussir à attraper. Il faut en fait lui fermer le bec, donc il faut aller assez vite et choper tout le bec qui fait facilement la taille de la main, quoi. En faisant attention, du coup, de ne pas boucher les trous de nez pour ne pas l'empêcher de respirer. Il faut ensuite passer la main comme si on voulait lui faire un gros câlin, donc essayer de l'enlacer tout en tenant le bec avec l'autre main. On ramasse les pattes, une patte, deux pattes, et ensuite on le tient contre nous. Et ensuite, on l'installe sur la personne qui nous aide et qui, elle, aura donc l'individu posé sur le ventre, sur ses genoux, avec la tête calée sous un coude. Et comme ça, il ne peut pas se faire mordre. L'individu peut respirer. En plus, il est un peu à l'ombre. Ça rassure souvent les oiseaux d'être un petit peu à l'ombre, donc il est peut-être un peu moins agité. Mais alors, si jamais ils sont pas sur nid, là, pour les attraper, c'est quelque chose. Parce que dès qu'ils voient, au début, si t'es nouveau dans la colonie, te connais pas, bon, il sait pas trop ce que tu vas faire. T'en as attrapé 5 et ça y est. Moi, je mets un pied dans la colonie, tout le monde me regarde et tout le monde s'envole. Et là, il faut apprendre à courir un peu dans la colonie, c'est assez drôle. On se met dos au vide pour les empêcher de partir, mais ça arrive très très souvent qu'ils nous filent sous le nez, ils ont bien raison. Et en plus, c'est des animaux qui piétinent vachement bien par rapport à... On dit qu'ils sont pataux en l'air, mais alors eux, ils courent vraiment à toute vitesse dans la colonie. C'est quasiment vertical, ça fait un peu des escaliers, la colonie d'albatros à bec jaune dans les falaises d'Entrecasteaux, des colonies de végétation. Donc au bout de 10-15 jours à travailler là-bas, on est à l'aise, on est comme à la maison. Mais alors au début, quand il faut leur courir après, éviter les autres congénères et pas marcher sur des œufs ou sur des poussins, c'est assez chaotique. Dans la falaise, je suis comme ça, je cours après les albatros, j'ai du caca d'albatros dans les cheveux, j'ai les mains en sang parce que je me fais bouffer les mains par les oiseaux, mais surtout j'ai le même sourire, je pense, que j'ai maintenant. C'est que c'est absolument génial, je passe toutes mes journées alors soit à attraper des poussins et avoir des poussins d'albatros sur les genoux, c'est adorable.
Ou alors, voilà, à courir derrière des superbes oiseaux et qui sentent bon, qui sont beaux, qui sont rares, dont le but, alors je les embête, c'est sûr, mais le but que je vois derrière, c'est qu'on essaie de travailler à leur conservation aussi. Et ça, ça motive énormément tous les jours. Ouais. Les albatros avec jaune, ils sont beaux. c'est des oiseaux qui sont très, très bien dessinés. Et ils ont une attitude... comment dire, ils sont fiers, les albatros avec jaune, ils sont fiers et ils en imposent un peu, ils ont des grands yeux marrons assez profonds, ils ont comme une trace de, comme s'ils avaient mis un peu du kohl au-dessus de leurs yeux qui se prolonge en une espèce de faux sourcil super bien dessiné, et ils s'appellent les albatros à bec jaune parce que du coup ils ont le dessus du nez qui est jaune doré et qui se dégrade vers le crochet en orange et après ça finit en rose, et c'est vraiment des oiseaux qui sont sublimes. Alors ils sont petits par rapport aux albatros hurleurs qui est le plus grand oiseau volant du monde, mais ils sont assez majestueux parce qu'ils ont toutes ces pointes de couleurs qui sont assez hallucinantes. C'est des espèces qui sont en danger, mais suffisamment nombreuses pour qu'au niveau éthique ça passe. Sur l'île d'Amsterdam, il y a des très 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 fortes mortalités qui ont été observées. L'équipe avec laquelle je travaille a suspecté qu'il s'agissait sûrement d'une maladie, donc potentiellement le choléra aviaire, ce qui a été vérifié plus tard. On suppose que ça affecte également par exemple les albatros d'Amsterdam, mais eux ils sont à hauteur d'une centaine de couples, donc forcément on ne va pas aller faire des études un peu invasives, les déranger sur leur unique site au monde de nidification qui est sur le plateau des Tourbières à Amsterdam. Donc il y a des choix qui sont faits au niveau éthique, qui permettent de faire de la conservation et de la science, en essayant d'avoir un impact minimum, mais c'est sûr que ce qu'on fait nous, on peut considérer ça comme un peu invasif. On fait des prises de sang, on va visiter les nids de façon régulière, on dérange un peu les oiseaux. Le choléra aviaire, on pense qu'elle a été apportée à cause des gens qui sont venus, comme tous les malheurs, c'est les gens, des gens qui sont venus en premier habiter sur l'île d'Amsterdam et qui, à l'époque, quand on voyageait, on apportait plein d'animaux. Et ils avaient apporté notamment des poules. Donc ça, c'était fait exprès. Les poules, ils les ont emportées sur l'île en se disant « c'est trop chouette, on va avoir des œufs et du poulet ». Et sûrement, avec les bateaux, il y a aussi du coup des rats. Donc ça, c'était pas fait exprès, parce que les rats, déjà, ils s'adaptent à tout. Et en plus, c'est des excellents nageurs, donc ils ont très bien pu nager jusqu'à l'île en sautant du bateau, quoi. On pourrait imaginer plein de trucs. Les poules, on sait qu'en France, elles ont cette maladie-là. Et ensuite, les rats, on sait qu'ils mangent tout et n'importe quoi. Simplement, c'est seulement une hypothèse, parce qu'au niveau génétique, on retrouve pas forcément les souches de la bactérie qu'on a en France sur l'île d'Amsterdam. Donc est-ce que, parce que ça fait très longtemps, les bactéries elles se sont un peu différenciées et spécialisées pour cette île, quoi. C'est encore à vérifier, mais c'est juste, ouais, pour le moment, c'est juste une hypothèse. On pense que c'est une maladie qui était peut-être pas présente sur l'île. Dans la colonie que nous, on étudie, il y a à peu près 600 couples, dont 300 nids qui sont suivis. Ça fait plus de 1500 individus qui sont là, juste dans la colonie, et c'est vraiment défini scientifiquement. Mais sinon, ouais, dans la falaise, il y en a plus que ça, quoi. C'est juste dans la colonie que nous on suit pour se limiter un peu, parce que sinon on n'en finirait pas d'aller regarder des nids d'albatros. C'est assez drôle parce que c'est des animaux qui sont fiers, ils sont beaux, et ils sont blancs, immaculés. Et c'est assez intéressant parce que dès qu'il pleut, ils se mettent à plat ventre dans la... Alors, il faut imaginer, donc les pattes derrière, quoi, à plat ventre, les pattes derrière eux. Et ils poussent avec leurs pattes, donc ils sont sous leur queue, quoi, derrière, en dessous. Ils poussent avec leurs pattes la boue, ils font des petits tas de boue, et ensuite ils continuent... En fait, pendant toute la saison, ils continuent à construire leur nid, et ils font des petits tas de boue, ils coupent un peu des herbes, ils mélangent et ils collent par-dessus leur nid. Donc, ce qui rend la recherche d'étiquettes assez intéressante, parce que deux jours après la pluie, ils ont tous recouvert leur étiquette, et on ne sait plus qui est qui, parce que nous, on met des étiquettes sur le nid pour les suivre. Et malgré ça, ils sont complètement immaculés. C'est des oiseaux assez propres. Donc dès que le partenaire arrive pour échanger, et ben, hop, je pense qu'ils en profitent pour aller se laver en mer. Mais c'est assez intéressant. Et sinon, de leur journée, ben, ils attendent souvent quand ils sont en période de reproduction. Les couples d'albatros, ils sont fidèles. Il y a un certain taux de divorce, mais de façon générale, ce sont des animaux qui sont monogames et fidèles. Et donc, bah, si jamais il y a un œuf, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui reste dessus. Déjà parce que l'œuf, il a besoin d'être à une certaine température pour que l'embryon puisse se développer. Et aussi parce que, de toute manière, si jamais l'adulte a le malheur de laisser son œuf moins de
30 secondes, tout seul, il y a un squaw qui va débarquer pour attraper l'œuf et le manger. Donc, il faut absolument qu'il reste assis dessus. Les deux individus peuvent couver chez les albatros, ce qui n'est pas le cas chez toutes les espèces d'oiseaux. Et du coup, celui qui est assis, il attend. Et donc, ça peut durer 3, 4, 5 jours avant qu'il y ait un changement de partenaire. Quand il y a un changement de partenaire, donc déjà, il faut que le partenaire arrive à atterrir à peu près à l'endroit du nid. Ils ont une façon d'atterrir qui est assez chaotique, les albatros à bec jaune. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, ils atterrissent n'importe comment. Alors moi, tous les jours, je me prends des albatros dans la figure quand je suis sur les falaises entre castaux. Et en plus, ils atterrissent sur toi ou sur un congénère et c'est toi qui te fais gronder. Alors, ils atterrissent dans un grand bruit, ils font n'importe quoi, ils tombent 2 étages plus bas et en plus, après, ils se permettent de crier sur les personnes sur qui ils atterrissent. Et là, ils font une espèce de danse. Ils font un bruit un peu nasal et ils montrent ils ont des commissures qui sont cachées. Donc les commissures, c'est sur les joues et c'est jaune soleil, c'est de la même couleur que le dessus de leur bec. Ils montrent donc ces commissures, ils font leur petite chanson, ils mettent leur queue un peu comme un paon, ils déploient ce que j'appelle la jupette, mais c'est pas du tout un terme scientifique. Et puis ils se touchent le bec, etc. Ils chantent sur l'œuf ou sur le poussin, s'il y a poussin. Et puis ensuite, hop, ils échangent et le partenaire s'en va en mer pour se nourrir. Puis ils font ça jusqu'à ce qu'il y ait un poussin. Et quand il y a un poussin, en plus, on rajoute la phase de nourrissage du poussin qui est assez longue au début parce que le tout petit poussin, il dit qu'il a faim, donc il fait piou piou. Et c'est hyper dur parce que l'adulte, il a un bec qui fait un peu plus de 20 cm et il faut qu'il trouve comment se mettre en quinconce avec le bec du poussin qui lui fait genre 2 cm pour réussir à lui régurgiter ce qu'il a mangé. Et ça, c'est très mignon à voir parce que ça prend des fois des dizaines de minutes avant que le premier nourrissage ait lieu et que ça marche, qu'ils arrivent tous les deux à trouver la position qui leur convient. Et puis après, ça se fait de plus en plus facilement. On a l'impression de la connaître par cœur, cette île, parce qu'on l'a parcourue à pied. Et à pied, tu découvres tellement plus de trucs que quand tu es en voiture. À pied, tu vas pas vite, quoi. Enfin, tu marches et tu l'explores de long en large et en travers pendant un an. Et tu connais tous ses habitants, que ce soit humains ou alors des oiseaux ou d'autres sortes de mammifères. Donc forcément, t'es chez toi, quoi. Sur Amsterdam, il y a toujours un bruit de fond qui sont les otaries. Quasiment n'importe où tu es, sauf si tu dors sur les hauts de l'île. Mais les otaries, elles font vraiment des bruits hallucinants. On dirait soit des aboiements, soit des hurlements, ou soit des chèvres. Ça reproduit tous les bruits de la ménagerie possible. Elles font du bruit en continu. Quand on est sur base, on n'entend quasiment que les otaries parce qu'il n'y a pas d'oiseaux qui nichent proche de la base. Mais par contre, il y a une grosse colonie. Les otaries, elles sont tout autour de l'île et il y a une grosse colonie qui est juste à côté de la base scientifique. Et la grosse différence quand on est entre castaux, c'est qu'on entend les otaries, mais on entend aussi les gorfous sauteurs et les albatros fuligineux à dos sombre et les albatros à bec jaune qui, eux, passent leur journée à crier pour se retrouver. Alors, c'est pas des petits chants d'oiseaux, mais c'est pas moche non plus. C'est plus comme des cliquetis, mais un peu des hurlements, ça dépend. Mais c'est une ambiance sonore assez intense, mais c'est pas... en fait, on s'habitue, quoi. Ça devient à peu près un bruit de fond auquel on s'habitue, comme peut-être nous, les voitures, au bout d'un moment, quand on habite en ville, ça nous dérange plus. Mais c'est vrai que ça tranche un peu avec les oiseaux qui chantent et qui roucoulent quand on arrive sur l'île de La Réunion. Ouais. La cabane où on habite, donc le refuge des becs jaunes, c'est vraiment comme un petit chalet. C'est très cosy. Moi, j'y ai passé jusqu'à quasiment un mois. Il y a 4 couchages. On peut dormir à 4. Donc 2 lits superposés. Il y a une cuisine qui est plutôt bien équipée. Pas d'eau courante, pas de robinet. On récupère l'eau de pluie là-bas. Et il y a une cuve d'eau potable qui nous permet de boire quand même. Parce que sur Amsterdam, ce qui la différencie des autres districts, Kerguelen et Crozet, il n'y a pas de source. Il n'y a pas d'eau courante. Il y a du gaz pour pouvoir faire à manger. Il y a une petite douche solaire. Il y a un labo donc qui est aussi très très bien équipé avec un petit frigo dans lequel on peut mettre les échantillons, notamment le sang, le plasma, etc. C'est des choses qu'il vaut mieux éviter de laisser avec les fluctuations de température journalière et tout le matériel qui permet de faire des prélèvements. Alors c'est vrai que pour le programme pour lequel je suis partie, c'est assez énorme. Il y a des centaines de milliers de tubes, de seringues, d'aiguilles de différentes tailles. Il y a vraiment des milliers de boîtes de tout plein de choses dans ce laboratoire. Et il y a aussi ce qu'on appelle un sas de biosécurité. Parce que là-bas, c'est très, très, très important de ne pas transporter de graines. Il faut que les chaussures soient nettoyées,
les scratchs, etc., pour pas ramener donc des graines. Et en plus, la problématique avec laquelle nous on travaille, c'est la problématique des pathogènes et leur dispersion. Et donc nous, on fait encore plus attention à Entrecasteaux de pas ramener de transporter de maladies. Donc on travaille en flexo, donc les cirés de pêcheurs comme les pêcheurs bretons, quoi. Et donc ça, c'est hyper facile à nettoyer. Donc tous les soirs, on brosse, on frotte avec de l'eau et on rajoute du produit qui tue toutes les bactéries. Et donc, on les met à sécher dans le sas de biosécurité, là où on ne met pas à sécher d'autres affaires. Et voilà, comme ça, c'est propre et on est sûr de ne pas favoriser ce contre quoi on se bat, donc le choléra aviaire ou d'autres maladies. Réveil à 6h. À 6h30, on fait ce qu'on appelle la com du matin. Donc, tous les jours, deux fois par jour, on communique avec la base scientifique. Donc, comme du matin, juste pour dire salut, c'est pour vous dire que ça va, on se voit ce soir, enfin, on s'entend ce soir à 18h45. Petit déj classique, on s'équipe. Donc, avant de monter dans la colonie, on met les habits de pêcheur, donc les flexos, des bottes exprès également. On a juste le droit d'avoir notre pantalon en dessous et un t-shirt si jamais il fait chaud. Sinon, dès qu'on touche un oiseau, on est obligé d'être en full caoué en haut, caoué en bas, bottes de biosécurité. On prépare les sacs à dos, donc on a à l'intérieur de quoi manger, de quoi boire et surtout des boîtes et des fiches et des stylos pour prendre les notes, etc. Et tout ce qu'il faut pour faire tous les prélèvements dont on a besoin. Et on monte dans la colonie, donc on en a pour entre 20 minutes et puis à la fin, quand on connaît bien, 10 minutes pour monter. Donc ça fait le petit cardio du matin, en plus en pantalon en plastique, hop, t'as déjà brûlé les 500 calories. Et ensuite, après ça, t'es directement, t'es à 2 mètres des premiers oiseaux. Et donc tous les jours, quand on est sur Entrecasteaux, tous les jours, on regarde tous les nids suivis, donc tous les nids à étiquette, pour savoir à quel stade de reproduction ils en sont rendus. Donc ils peuvent être sur œufs ou sur poussins, grosso modo. Et malheureusement, très souvent, il y a aussi des poussins qui sont morts. Par jour, on a également un planning d'individus à suivre. Donc, tel poussin a 10 jours, alors c'est la date à laquelle on fait les prélèvements sanguins, quelques écouvillons, on mesure, on pèse. Et également, si par malheur, il y a des individus qui sont morts, et bien, une partie de mon travail consistait également à réaliser des autopsies. Dans ces autopsies, on cherche déjà à l'aspect, voir si jamais on peut mettre en évidence peut-être la cause de la mort, en sachant que nous, on n'est pas du tout vétérinaire ni... Nous, on dit que ça ressemblerait peut-être à quelque chose qui pourrait être une septicémie ou un étouffement ou quelque chose comme ça. Et on fait plein de prélèvements de pas mal de morceaux d'organes qu'on appelle clés, dans lesquels on soupçonne que la bactérie que nous, on recherche, donc Pasteurella multocida, qui est responsable du choléra aviaire, peut se développer. Et on fait aussi du coup des écouvillons, donc avec comme des grands couteaux-tiges, exactement comme ce qu'on nous met dans le nez pour tester le Covid, qu'on conserve avec nous. Et qu'ensuite on met en culture donc soit dans la cabane labo si jamais on part longtemps, ou alors sur base on a aussi un laboratoire qui est un petit peu plus équipé que juste une cabane à laquelle on a rajouté le mot labo pour faire comme si c'était stérile. Et donc là on peut faire de la mise en culture et on a appris à reconnaître à peu près les aspects des colonies qu'on cherche, des colonies donc de bactéries, et donc à ce moment-là qu'on prélève et qu'on envoie ensuite en France. Donc c'est un processus assez long, l'étude entre ce que nous on fait sur le terrain. Tiens, je pense que c'est cette bactérie qui a poussé sur tel cadavre, je la mets dans une gélose qu'on appelle de conservation, qu'on va envoyer en France. Les prélèvements qu'on fait sur les oiseaux, donc il y a des mesures classiques, donc bec, tête-bec, c'est les mesures classiques quand on fait des études sur les oiseaux. Donc c'est un peu, c'est global et comme ça c'est assez facile à faire des comparaisons. Il y a l'aile, le tarse, ça c'est pour les mesures. Et ensuite on fait pour l'équipe... d'écopathes, où on va un peu plus loin parce qu'on fait pas mal de microbiologie, recherche d'anticorps, sérologie, etc. Donc on fait des prises de sang. Donc pour les prises de sang, ça se passe dans la patte parce que c'est des gros oiseaux. C'est assez sympa, c'est assez dur à faire les prises de sang dans les pattes de ces oiseaux-là parce qu'ils ont les pattes glaciales. Souvent, ils ont les veines plates et bleues, alors il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de débit. Et puis en fait, au bout de quelques individus, on devient complètement expert. C'est plutôt agréable d'ailleurs de se sentir expert. On fait ça, donc après on divise... On divise le sang, on le met dans une centrifugeuse et on divise entre plasma et globules rouges. Ça va permettre de faire justement la partie génétique avec les globules rouges, par exemple pour pouvoir sexer les individus qui sont absolument identiques, mâles et femelles, taille, couleur, comportement, poids, on peut pas les différencier. On soupçonne même qu'il y ait quelques couples homosexuels, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est à creuser. Et le plasma qu'on récupère également pour la partie anticorps, donc est-ce qu'on peut trouver justement les anticorps qui permettent de se défendre contre la bactérie qui nous intéresse, donc Pasteurella multocida, responsable du choléra aviaire.
Et on fait également des écouvillons donc dans le cloaque. Donc les oiseaux, ils n'ont pas de zizi, de trous de fesses. Ils ont tout en un seul trou. Et donc ça s'appelle le cloaque. Et donc c'est leur organe sexuel et leur organe excréteur. Ils font pas caca pipi, ils font tout d'un coup quoi. Enfin voilà, il y a pas de, il y a qu'un trou. Et donc on met un écouvillon dans le cloaque de l'individu. Et là c'est pareil, il y a une faune microbienne qui est assez énorme, comme n'importe quel organe excréteur finalement pourrait contenir. Et du coup ça c'est pareil, ça nous intéresse beaucoup, donc on garde ça dans du liquide qui permet de conserver l'ADN. Et ensuite il y a des gens experts qui vont chercher par PCR, est-ce que on trouve l'ADN de la bactérie qui nous intéresse parmi les milliards de bactéries qui seront présentes sur cet écouvillon. Ça dure à peu près 10 minutes max quand on est rodé. Et des fois, il y a des manips un peu plus lourdes. C'est quand on pose des GPS sur le dos des oiseaux. Et là, ça peut nous amener à un petit quart d'heure de manip. Donc, on essaye d'optimiser tout. D'ailleurs, souvent, quand on pose les GPS, on dit que du coup, en échange, on ne prend pas les mesures. Comme ça, on essaye de ne pas garder l'animal trop longtemps. Déjà parce que pour lui, c'est stressant. Il ne faut pas qu'il s'envole. Si jamais on le repose et qu'il ne se remet pas sur son poussin, on a l'air nouille. Parce que déjà, nous, il faut qu'on reste à côté pour surveiller le poussin, pour pas qu'il se fasse enlever par un squat. Et le poussin, du coup, va avoir froid parce qu'on peut pas s'asseoir dessus, parce qu'on n'est pas les oiseaux. Donc, il faut qu'on essaye d'optimiser le temps pour nous. Tout ce qu'on peut faire en maximum 13 minutes, on va dire, pour toutes les données scientifiques qu'on peut récupérer. Et en même temps, la priorité, c'est vraiment l'oiseau, quoi. La méthode qui est utilisée par le projet Ecopad, c'est qu'on scotche directement les GPS sur les plumes du dos, donc entre les ailes, juste en dessous des omoplates. Et de cette façon, les GPS, ils vont tenir suffisamment longtemps, mais pas toute la vie. Donc c'est amené à tomber parce que les oiseaux, ils muent aussi, comme les serpents, pour être tout beau pour pécho à la saison d'après. Ils se refont un plumage et tout, pour être vraiment sexy. Et donc à ce moment-là, ils vont perdre leurs plumes et du coup, le GPS va tomber. Donc des fois, ils tombent sur la terre et ça, c'est cool parce que nous, on peut les récupérer pour les réutiliser, puisque c'est des matériels dont on n'a pas besoin de l'avoir en main pour connaître leurs données. En fait, c'est des GPS qui distribuent l'information à des antennes que nous, on a positionnées sur l'île. Et donc, il suffit d'aller télécharger les données depuis l'antenne. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on réussit à avoir quand même des données vraiment très, très chouettes et très représentatives avec ce genre d'installation. C'est vrai que le sujet que j'étudie, c'est pas forcément... si on le dit, c'est pas forcément très sexy. Après, mon travail, c'est quand même au quotidien d'attraper des albatros, des gorfous, des squats. Alors, moi, ça m'éclate, c'est sûr. Et effectivement, il y a une grosse partie qui... pour le projet Ecopad, qui consiste à travailler avec des animaux morts, ouais. Mais c'est toujours dans l'esprit de... dans l'esprit du plus loin et à l'échelle de la population, quoi. C'est sûr que des albatros que tu vois éclore et que 5 jours après ils sont morts parce qu'ils sont mangés par des rats, c'est un peu triste. Et au final, c'est vrai qu'on se détache un peu de la personnalité. Sur le moment où tu les as sur les genoux, c'est super génial et t'as l'impression de vivre un moment hyper privilégié, mais tu sais qu'ils sont sujets à plein de trucs qui peuvent les tuer. Et tu prends un peu, dans la science, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre un peu tout ce qui vient, alors que ce soit bien ou pas bien. Si un poussin il est mort, c'est hyper triste et c'est nul et c'est pas juste, surtout s'il a été tué à cause d'un rat, donc par le biais des activités humaines. Mais tu te dis que y a peut-être quelque chose d'hyper intéressant à tirer de cet individu. Ça se trouve, c'est lui qui a la bactérie dont on connaît pas encore le code génétique, et donc c'est une nouvelle souche, et ça se trouve, c'est cette bactérie-là qui tue le plus grand nombre d'individus. Donc si j'arrive à la prélever, on fait un vaccin et on peut sauver les congénères. On peut complètement avoir des jours off. Sur le terrain, c'est un peu plus rare. Donc, quand je dis sur le terrain, c'est quand on part en cabane, parce que là, on a des plannings précis. Les oiseaux, ils s'en fichent que tu sois fatigué ou que ce soit normalement un dimanche. Eux, de toute manière, il faut qu'ils s'envolent dans un mois. Donc, ils n'ont pas que ça à faire. Donc là, quand on est sur entre castos, c'est la journée typique du 6h jusqu'au coucher du soleil. Et ensuite, on travaille dans le labo. Mais quand on est sur base, on fait... En fait, tant que le planning il est achevé, on n'a pas forcément d'obligation. On n'a pas du 8-17 quand il fait beau. Effectivement, il y a une des grandes activités à Amsterdam qui consiste à aller se baigner avec les otaries sur mer d'Arctique. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, il faut prévoir une grosse combinaison parce que l'eau, elle n'est pas très chaude. Elle est entre 10 et 12 degrés.
Mais on oublie vite qu'il fait froid quand il y a des bébés otaries qui viennent mettre leurs nageoires et leurs petites moustaches contre ton masque de plongée parce qu'elles sont curieuses. Et donc voilà, on peut être amené à aller mesurer des arbres le samedi après-midi, à aller planter des arbres, à mesurer des otaries. Donc ça fait partie aussi des jours off. Pour le moment, on essaye de voir si le taux d'anticorps qui est donné par le vaccin avec lequel on vaccine les petits poussins augmente dans le temps et persiste suffisamment longtemps pour les protéger éventuellement contre la maladie du choléra aviaire. On essaye aussi de vérifier, du coup, d'une année sur l'autre, si les poussins qui naissent de parents vaccinés ont un taux d'anticorps supérieur aux individus témoins qui descendent pas d'individus vaccinés. Donc, est-ce que le fait de vacciner les adultes, ça marche pour protéger les descendants ? On étudiait aussi pas mal les rats cette année, à savoir est-ce que les rats sont porteurs de la bactérie ? On le sait que oui, mais est-ce qu'ils le développent fort dans la bouche ? Ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que des morsures, ça cause des morts imminentes chez les poussins. Et on continuait encore à suivre les squats, du coup, parce que ça permet d'obtenir des données à long terme. C'est des espèces qui ne sont pas suivies depuis très longtemps, les squats sur l'île d'Amsterdam. Autant les albatros, ça fait vraiment une trentaine d'années qu'on a des chiffres sur la démographie. Donc les albatros fuligineux à dos sombre, les albatros d'Amsterdam et les albatros à bec jaune. Et les squats, c'était pas très suivi. Ils ne sont pas très, très nombreux à se reproduire sur l'île, mais ils ont quand même un fort impact, on pense, dans la dispersion de cette maladie. Et donc, on a continué à poser des GPS sur une trentaine de squats et de suivre leur reproduction en lien surtout avec les autres programmes de l'Institut polaire français. Le gros problème qu'on a pour l'étude de l'effet de la bactérie, c'est qu'en fait, les rats, souvent, ils nous coupent un peu l'herbe sous le pied. C'est-à-dire qu'on a des saisons où il n'y a pas trop de mortalité, mais en fait, c'est corrélé avec une saison où il n'y a pas trop d'attaques de rats. Typiquement, cette année... Donc l'année que moi j'ai quitté là, on passe quand même un mois avec notre successeur pour lui apprendre tous les rudiments de la colonie, etc. Et pendant cette période-là, il y avait énormément d'attaques de rats. Et donc, c'est un peu compliqué de dire si c'est la bactérie ou juste parce que ces animaux, ils se font littéralement manger vivants, qui meurent. Quoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont la moitié du crâne exposé et que du coup, ils souffrent et ils finissent par mourir ? Ou est-ce que c'est des suites de la bactérie ? C'est un peu compliqué à dire. Les rats, ils nous mettent vraiment dans la mouise par rapport à ça, parce qu'ils interfèrent complètement avec les études scientifiques qu'on pourrait faire. Alors, c'est pas de leur faute, hein. Ils ont peut-être pas demandé à être là, et puis ils font ce qu'il faut pour survivre. Mais au niveau populationnel, c'est vraiment un gros problème, le rat. Et il y a une campagne d'éradication qui va avoir lieu l'an prochain pour essayer de se débarrasser de tous les rongeurs de l'île, donc rats et souris, par le biais de poisons qui seraient lâchés par hélicoptère. Et donc, à partir de là, s'il n'y a plus de rats, on pourrait vraiment commencer à étudier vraiment les effets de la bactérie en elle-même et pas malheureusement les interférences avec les rats. À la fin de ma mission, donc c'est à mon tour de former la personne qui va me remplacer pour 14 mois. Donc cette année, c'était Juliette. Donc à l'OP3, donc un an après mon arrivée, on reçoit les nouveaux donc qui sont déposés comme nous en hélicoptère, qui viennent de passer 3 semaines sur le Marion Dufresne. Et qui arrivent tout frais, tout excités. Donc nous, on les accueille, on passe un mois avec eux. Donc pour mon programme, c'est un mois de 100% terrain. Et quand le bateau part, directement, nous, on part à Entrecasteaux. Donc on en a pour 8 heures de marche. Et donc ça commence déjà la formation, puisque la nouvelle personne, on lui propose de passer devant, comme ça, elle se familiarise avec le trajet, puisque dans un mois, c'est elle qui devra emmener d'autres personnes toutes seules. Et donc, on passe un mois complet à apprendre tout. Et nous, à la fois, on lui fait ses premières manips. Et nous, à la fois, on fait toutes nos dernières manips. Donc, il y a le dernier squat qu'on attrape, le dernier GPS qu'on pose, le dernier poussin qu'on mesure, etc. Au bout de 3 semaines, on refait le trajet dans l'autre sens. On retourne sur base. Et puis là, nous, c'est un peu rush pour notre programme, parce que nous, on a un jour pour fermer nos mâles. Donc, ça fait un an et demi qu'on s'est complètement éparpillé chez nous. Un jour pour fermer les mâles, pour les faire envoyer sur le bateau. On a encore 3 jours quand le bateau est là. Donc, c'est plutôt 3 jours de soirée et 3 jours on essaie d'expliquer absolument tout ce qui reste à expliquer qu'on n'a pas eu le temps pendant ce qu'on appelle la campagne d'été. Donc, ce mois de passation qui est hyper important. Et puis ensuite, voilà, ça y est, c'est l'heure. L'hélicoptère vient nous chercher et puis on décolle et on atterrit sur le bateau, on comprend pas. Et à la fois, on a l'impression qu'en fait, il ne s'est rien passé depuis le moment où on était au même endroit il y a un an et demi et qu'on nous a dit « Allez, c'est à vous maintenant, c'est parti, Corizane, va t'asseoir dans l'hélico, tu vas à Amsterdam. » Et là, c'est dans l'autre sens, c'est « Va t'asseoir dans l'hélico, tu rentres à la maison. »
Et en fin de compte, tout revient assez vite. C'est bon, en 10 minutes, tu te souviens comment fonctionne le bateau, qui habite où, où est rangé quoi. Et puis, t'as encore 4 jours de navigation, t'arrives à La Réunion. Et puis là, c'est hyper agressif pour à peu près tous les sens. Toutes les couleurs sont vives. Nous, ça fait un an qu'on habite avec du bleu, du gris, du vert. Et là, il y a du bruit, il y a des voitures, il y a des avions dans le ciel, il y a des bateaux, il y a des gens qui klaxonnent. C'est assez intense. Et puis, c'est pareil, en fin de compte, on est parti que 14 mois. Et la première journée, c'est assez fatigant. Et puis, finalement, on y revient vite. Hein. On ramène une malle d'une quarantaine de kilos. Il y a déjà au moins 600 tubes de sang, on va dire, par exemple, quand on est à mi-saison sur les albatros. Ça, c'est juste le sang qu'on divise en plasma, le plasma avec lequel on fait des alicots de plasma, des écouvillons, etc., etc., plus les trucs un peu exceptionnels, les autopsies un peu étranges, où on prend plein d'échantillons, et c'est costaud. Et ça, c'est assuré, du coup, par l'Institut Polaire Français, parce que c'est des échantillons qui sont au congèle. Donc, quand le bateau est là, on nous appelle au dernier moment, notre malle est prête, mais les échantillons sont encore au congélateur. On nous appelle, on nous dit, là, Corizante, il faut y aller. Il y a l'hélicoptère qui arrive pour le moins 20 dans 3 minutes. Donc, moi, j'ouvre le congèle, je mets tous mes échantillons dans ma malle, on s'assure qu'elle est fermée à clé, qu'il y a les étiquettes, les inventaires. Et l'hélicoptère vient récupérer les malles, il les met sur le bateau dans un congélateur à moins 20. Et ensuite, on arrive à La Réunion, il reste dans des containers à moins 20 qui sont mis sur un autre bateau qui va lui faire encore tout le tour pour arriver jusqu'à Brest. Et ensuite, eux, ils se chargent de retrier tout ça et d'envoyer aux labos qui vont analyser les différentes choses qu'on peut récupérer avec ces échantillons. Moi, je n'ai pas découvert grand-chose, mais on le saura vachement plus tard, puisque là, je suis rentrée il y a maintenant 2 mois. Et je suis en train de trier les échantillons que ma prédécesseur avait envoyés en avril de l'année d'avant. Donc, ce que moi, j'ai récolté, ça va prendre encore plus de temps au niveau études, c'est sûr. On a hâte de savoir si, en tout cas, les poussins pour lesquels on fait des prélèvements quand ils sont tout petits, à 5 jours, et qui sont issus de parents vaccinés, est-ce qu'eux, ils peuvent développer des anticorps ? Parce que ça voudrait dire que... que du coup, il suffirait, entre guillemets, de vacciner un maximum d'oiseaux et se dire qu'on pourrait éradiquer cette maladie de l'île d'Amsterdam, en tout cas, pour les albatros à bec jaune. Et alors, ils auront plein d'autres problèmes contre lesquels il faudra faire face, mais ça, ce serait quand même une grosse bêtise humaine qui serait réparée par le biais de la science, et ce serait vraiment extraordinaire. Je pense que j'étais déjà amoureuse des albatros avant de partir sur Amsterdam. Alors que j'en avais jamais rencontré, mais je suis tombée amoureuse du site, quoi. Je suis tombée amoureuse d'Entrecasteaux et des albatros la cabane. C'est chouette de vivre juste en cabane et de faire d'avoir un objectif de travail du matin au soir. C'est super intéressant et c'est des animaux qui sont vraiment extraordinaires. Ouais. Je me suis jamais sentie autant à ma place que dans cette falaise. En 1994, l'albatros était classé en danger critique d'extinction. En 2018, grâce aux efforts sans relâche des scientifiques, son statut a changé pour être classé comme étant en danger. Un espoir fragile, mais encourageant pour ces oiseaux tranquilles aux odeurs de miel. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fier. Est monté par Chloé Wibo et Capucine Lebeau. Le texte a été écrit et lu par Clément Saccard. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand, avec une musique additionnelle de Igor de Ferrand, et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. Merci à Corisande Abivin pour sa participation, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. À dans 15 jours pour une nouvelle aventure, à la recherche des cristaux dans le massif du Mont Blanc. À très bientôt.